Bonjour à toi, chers spectateurs. Bienvenue sur cette dernière chronique de l'Internet sur Joker de Todd Phillips, puisque officiellement, je pense que Justin et moi, on est les derniers à donner notre avis sur le film, vu que tout le monde l'a déjà fait. Mais bon, on va quand même le faire parce qu'on a envie. L'histoire, pour faire extrêmement simple, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Arthur Fleck, qui est un, disons-le, clown itinérant, qui Oui. bosse pour une petite boîte. Dans le New York de la fin des années 70, du début des années 80, ça n'est pas vraiment clair. Et en fait, on va le voir tout simplement sombrer dans la démence et peut-être devenir le symbole d'une révolution. Si on est très vague, parce que finalement, si on enlève le titre Joker, on ne sait pas vraiment que c'est un film sur le Joker. Oui. Voilà. Pour en parler avec moi, quelqu'un qui m'a demandé quand même, dès qu'on ait fini la vidéo sur la mule, s'il pouvait faire avec moi deux vidéos. Et la première, c'est celle-ci. Justin, Oui, comment vas-tu? très bien, et toi? Bah écoute, plutôt bien. C'est un gros morceau auquel on s'attaque là, mon cher Justin, Oui. parce que avant même sa sortie, le film était adoubé par tout le monde. J'ai pas vu un avis négatif avant la sortie du film en salle aujourd'hui. C'est-à-dire que littéralement, tout le monde était convaincu par le film. Je n'ai pas vu un seul avis négatif. Le film repart avec le Lion d'Or à Venise, c'est reparti encore de plus belle. Tout le monde voulait avoir son avis sur le film et tout le monde voulait avoir son petit instant de gloire à dire c'est le meilleur film de tous les temps, il est extraordinaire, c'est le film le plus marquant de l'année, c'est le film le plus marquant de la décennie. Tout le monde était positif. Et tu sais quoi? Eh ben moi, avant ça, j'étais totalement convaincu par le projet. Et plus je voyais les avis positifs arriver, plus je me disais il y a forcément une couille dans le potage. Parce que Mad Max Fury Road, il y a eu des avis négatifs. Gravity, il y a eu des avis négatifs. Joker, il n'y en avait pas. Après, il est vraiment bien réalisé. Ah L'acteur joue vraiment bien. Il y a rien bah! Ah, de mais sur le c'était. papier, voilà, moi j'étais vraiment très sceptique. Mais voilà, le projet emmené par Todd Phillips et Joaquin Phoenix depuis maintenant 2 ans et demi, à la base coproduit par Scorsese, finalement qui s'est barré du projet parce que estimant qu'il n'avait pas grand-chose à faire dessus. Et depuis, bah voilà, je pense que tout le monde a suivi un petit peu le parcours du film, la com ayant été gérée aux petits oignons par la Warner et par Todd Phillips. Et avec tout ça en tête, eh ben, je me tourne vers toi, même si t'as un peu commencé, Justin, qu'est-ce que tu as pensé de Joker? Pour moi, c'est un très bon film. L'interprétation du Joker par Joaquin Phoenix est vraiment exceptionnelle. Moi, j'avais beaucoup aimé celle de Heath Ledger dans la trilogie de Nolan. Mais là, celui-là de Joaquin Phoenix, en fait, fait plus partie de la démence. Parce qu'il faut savoir aussi que le Joker dans les DC Comics, dans les bouquins, a plusieurs facettes. Il est jamais écrit de la même façon. Il y en a qui l'ont écrit mafieux, il y en a qui l'ont écrit justement dans la folie. Et là, on a vraiment le trait de folie, voire même, en fait, c'est même de la maladie, quoi. Et je trouve que c'est un trait qui n'était pas été exploité jusque-là dans le cinéma pour le Joker. Et c'est vraiment, vraiment bien fait. Et Joaquin Phoenix joue vraiment bien ce rôle. Après, pour ma part, je le trouve très bien réalisé. Il y a vraiment aussi de belles images. La musique, je trouve qu'elle monte crescendo comme le personnage en lui-même du Joker. Et voilà, non, vraiment très, très beau film pour ma part. Je ne peux que te soutenir là-dessus. C'est un film très atypique, il faut le reconnaître. Je comprends en fait pourquoi les gens sont dithyrambiques autour du film après le visionnage. C'est-à-dire que on est sur une œuvre qui, sur le papier, est l'exemple type de ce qu'on pourrait appeler un blockbuster d'auteur. Parce que ça a la com' d'un blockbuster, c'est inclus dans un univers qui, entre guillemets, fait partie du monde des blockbusters, mais c'est un film qui a 55 millions de dollars de budget, ce qui reste peu au final pour une grosse prod. Et c'est un film qui avait pour ambition première de porter un personnage qui n'a pas l'envergure d'un blockbuster, un antagoniste. Et je t'avoue que moi j'ai toujours eu cette hantise vis-à-vis des antagonistes dans le sens où pour moi c'est compliqué de baser un film sur un méchant. Parce que dans ma tête, un méchant c'est pas fait pour être le héros d'une œuvre. Ou alors dans ce cas-là, faut lui donner un trait de caractère qui fasse en sorte qu'on s'attache à lui. Ce que Todd Phillips Bien a sûr. choisi de faire au sein d'une œuvre qui clairement fait en sorte que le spectateur éprouve une empathie profonde pour le personnage de Arthur Fleck. Je dirais pas non plus de l'immersion parce qu'on n'est pas à sa place, on n'a pas envie de se mettre à sa place, mais on a une vraie empathie qui est créée parce que on est touché par ce qui lui arrive et par le développement qui est fait du personnage. Et je pense que c'est là en fait que Phillips a réussi à toucher ce qui fait que les gens sont accrochés au film, c'est que c'est un personnage qui est profondément à la fois pathétique et en même temps triste. Et du coup, on a envie de l'aimer.
Après aussi, il faut savoir aussi que le Joker dans l'univers Batman est quand même le personnage récurrent, l'ennemi récurrent de Batman. Et donc faire un film rien que sur le Joker, ça tient aussi la route du fait que c'est le méchant C'est que sa dans tous les némésis. Batman, c'est vraiment lui qu'on veut. Genre c'est lui, on veut vraiment savoir son histoire en finale. Donc c'est pour ça que ça tient aussi la route le film, je trouve. Ouais. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils prennent vraiment. En fait, honnêtement, tu enlèves le nom de Joker. Le film parle vraiment simplement de la descente d'un mec vers la folie. Oui. Et c'est pas forcément le personnage. En fait, faut vous dire que, on en parlait avec Justin, c'est à la fois un personnage qui est profondément ancré dans l'univers des comics de Batman, et donc de Bob Kane, de Bill Finger et de Jerry Robinson, mais en même temps, c'est vraiment une réinterprétation du personnage. C'est ancré dans ses mythes, dans sa mythologie et dans sa légende, tout en cherchant à s'émanciper de ça pour proposer quelque chose de très différent. Et ça, on va l'aborder au fur et à mesure, mais c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est cet ancrage dans les comics et ce besoin aussi de s'émanciper de ça pour proposer quelque chose de neuf. Je te propose qu'on plonge tout de suite dans le scénario, on va Oui, avoir pas mal de choses à dire. vas-y. Donc, scénario écrit donc par Todd Phillips et Scott Silver. C'est très intéressant parce que, pour te replacer le contexte, Todd Phillips, il écrit rarement ses scénars. La plupart du temps, c'était plutôt d'autres personnes qui écrivaient les scénars pour lui, et lui, il venait vaguement, soit reposer un petit truc, soit aider à l'écriture des dialogues, mais il écrivait rarement un scénar tout seul. Et là, le fait de le voir écrire le scénar accompagné uniquement de Scott Silver, c'est quelque chose d'assez surprenant. Et on sent que dans cette écriture, il y a à la fois une envie de la part de Phillips de rester ancré dans ses propres mythes, et en même temps de réellement s'en détacher pour proposer quelque chose de très différent. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'interprétation qu'il a du personnage, justement. Parce que c'est un personnage qui est profondément triste, profondément empathique, c'est quelqu'un qui est complètement perdu, et le spectateur, il va pas forcément, comme je disais, s'immerger et se mettre à sa place, c'est pas possible. Non, mais il est attachant du fait de tout ce qui lui arrive. Il a une vision de la société qui est pas non plus. Genre, qui, on peut pas dire qu'elle soit bonne ni mauvaise, mais qui correspond un peu à ce qui se passe, on va dire, entre guillemets, à l'heure actuelle et tout. Et c'est pour ça on s'attache à ce personnage qui a envie, en fait, de s'intégrer à cette société. Mais la société ne veut pas de lui, du coup, Oh c'est non. ce qui le rend, bah, à la fin, Joker, quoi. Genre. Ce qui fait qu'il devient fou, entre guillemets, et qui cause des débordements dans la ville, quoi. Oh que oui. Mais parce que on sent que c'est vraiment un besoin. Pas... Je trouve ça très intéressant en fait comme interprétation du personnage parce qu'on se retrouve pas sur ce qu'on pourrait appeler entre guillemets un film où c'est juste la montée en crescendo d'un méchant. C'est avant tout un être humain. Et c'est peut-être là qu'en fait que les deux auteurs ont réussi à capter quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils n'ont pas voulu en faire un drame dantesque sur un fou allié. Ils ont voulu en faire simplement un homme qui vit avec sa mère, qui a son petit métier, et qui, par le biais d'une société qui ne le comprend pas, et qui bien au-delà de le comprendre, le pousse littéralement à devenir méchant. Oui, et puis sa vie est faite que de mensonges aussi. Alors, On le découvre on le par la suite, découvre, voilà, mais mais sa vie, c'est... tout s'écroule, en fait. Tout s'écroule autour de lui, quoi. Il apprend des choses qu'il ne devrait pas forcément apprendre ou qui sont très dures pour lui. Donc tout son petit monde s'écroule et il retrouve qu'en plus de sa maladie, ben, on obtient vraiment genre un fou furieux, entre guillemets, mais quelqu'un de très très malade, quoi. Mais ça reste. On reste attaché, quoi. Il y a quelque chose. On n'est pas là tout de suite à le juger. On se dit, bah oui, mais quand même, on comprend pourquoi il devient ainsi, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est justement de ne pas pousser le spectateur à directement le juger, à directement se mettre à sa place en mode oh bah c'est un mec horrible, mais voyons voir jusqu'où il va aller dans sa folie. C'est vraiment on va d'étape en étape. C'est-à-dire littéralement en fait l'introduction c'est ça, c'est un personnage, c'est un clown triste qui cherche quand même à voir la vie du meilleur œil possible et à qui on va foutre des coups de latte dans le bide et pam, c'est parti. Mais oui, et puis C'est très intéressant, en plus l'introduction est vraiment bien foutue parce que on a vraiment une toute petite scène qui est une des scènes principales qu'on voyait dans une des bandes-annonces où il s'amuse à essayer de voir s'il peut garder le sourire mais en étant triste. Et direct après, on a cette fameuse scène où il est avec sa pancarte et où il se fait choper par les gamins. Et dès la fin de cette séquence-là, en fait, le titre nous est matraqué à la gueule de manière splendide. C'est vraiment, il est énorme, il prend tout le cadre et il déborde limite un petit peu des cadres. Et là, tu te dis, bon, bah ok, c'est bon, je sais ce qui va se passer. C'est littéralement, c'est pas un homme qui va devenir fou, c'est la société qui va rendre un homme fou. Et à partir de là, il y a toute l'envergure du scénario qui prend de la place. Et il faut savoir aussi, c'est assez intéressant, amusez-vous,
à faire des échos entre le premier acte et le dernier acte. Vous allez voir que là-dessus, le film est très travaillé. Ça peut sonner comme didactique, je suis d'accord, mais pour autant, je trouve ça très intéressant parce que ça nous oblige, entre guillemets, en tant que spectateur, à comprendre le premier acte pour ensuite pouvoir créer un miroir avec le dernier. Après, moi, je vais tout de suite donner un point négatif parce que j'ai envie de le placer. Je trouve le deuxième acte assez maladroit. Dans le sens où, dans le deuxième acte, il y a plein de choses qui vont être mises en place pour ensuite donner de l'envergure au personnage et, en un sens, le replacer aussi dans l'univers d'ici. Il va rencontrer la famille Wayne, il va apprendre des choses, etc. Et c'est pas hyper subtil. Moi, je t'avoue qu'à ce moment-là, j'étais vraiment en train de me dire, ok, c'est... Pourquoi est-ce qu'il a envie de rajouter ça? Tu peux, à la limite, laisser la... En fait, c'est ça qui m'impressionne, c'est que plus je réfléchis au film, plus je me rends compte que le scénario fonctionne à partir du moment où il tourne autour de son travail, de Murray Franklin et de sa mère. Et tous les autres trucs à côté, je trouve que finalement, c'est assez accessoire. Ouais, c'est plus peut-être pour coller à l'histoire de chez DC Comics. Exactement. Le Joker qui est comme le Batman, genre c'est les deux ennemis... C'est les deux ennemis depuis des années, et du coup, il faut quand même mettre un peu de Wayne pour faire voir que c'est quand même dans l'univers d'ici. Comme on voit deux, trois reprises, qu'on est bien à Gotham, parce que moi, genre, pour ma part, au début du film, je savais pas trop où on oui, était. Oui, c'est vrai que même moi, regarde dans le résumé, j'avais envie de placer ça dans un New York de 1970-80. Parce qu'il y a un moment, Gotham, où. C'est ça. L'asile d'Arkham aussi, il y a des trucs du genre, mais. C'est vraiment pour dire que, à toute petite goutte, on met du DC Comics par-ci par-là pour dire qu'on est encore dans l'univers. Mais oui, sinon, il fait vraiment un film pour lui. Genre, c'est comme je disais, franchement, on enlève le titre Joker et on lui donne le nom de Fleck, par exemple, oui. Ou un truc comme ça. Finalement, ça marche bien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, je pense qu'on est sur une écriture qui a d'abord cherché à placer un personnage et ensuite à greffer des éléments de DC. Il s'est approprié l'histoire, en fait. Mmh. Je pense qu'il, comme certains auteurs dans les comics, il a créé, entre guillemets, une nouvelle histoire du Joker, en fait. Parce que, bon, on retrouve des éléments de d'écriture de certains comics, mais pas tout. Et oui, il s'est approprié l'histoire, le réalisateur s'est approprié l'histoire. Ouais, et puis, comme tu disais au début, il a voulu vraiment aussi y placer un espèce de contexte où, ok, ça se passe dans la fin des années 70, début 80, mais ça parle de thématiques qui sont encore actuelles, avec cette idée de véhiculer un mouvement par le biais uniquement d'un acte qui va ensuite avoir des répercussions qui vont dépasser un personnage. Et puis la lutte des classes. Et puis la lutte des classes, qui est toujours d'actualité et qui ne cessera jamais d'obséder la plupart des metteurs en scène, et encore plus dans le monde des super-héros, parce que dans le monde des super-héros, c'est souvent mis en relief. Surtout dans les Batman. Surtout dans les Batman, où on a un riche qui décide de défendre les pauvres, accessoirement. Mais ouais, du coup, ça a vraiment une envergure, et je pense que c'est là-dessus, en fait, que le scénario a raison de se reposer, plutôt que sur ces petits éléments secondaires qui appuient l'univers d'ici, mais n'aide pas forcément à faire en sorte qu'on s'attache au personnage. A contrario de ces deux autres éléments, comme je disais, Murray Franklin, la mère et son travail, qui eux, par contre, ont vraiment un impact sur nous, parce que c'est des liens sociaux, c'est des liens affectifs, et c'est des liens, on va dire, de l'ordre du fanatisme qui, on va l'évoquer ensuite, mais rappellent forcément les modèles qui sont imposés par Phillips en termes de mise en scène. Mais ça prouve quand même qu'il y a une vraie dimension très profonde, en fait, dans le scénario, qui peut sembler anecdotique par moment, mais qui ne l'est pas, au bout du compte. Murray, qui est aussi responsable de la chute du Joker. Accessoirement. Okay. En termes de mise en scène, alors c'est très intéressant parce que, mine de rien, c'est un truc dont je me suis rendu compte, Todd Phillips a repris quasiment la même équipe technique que celle qu'il a depuis quasiment 10 ans, depuis le premier Very Bad Trip. C'est-à-dire il a repris Lawrence Scher, qui s'occupe de sa direction de la photographie depuis Very Bad Trip, et je crois que Lawrence Scher littéralement s'occupe à très très peu de reprises d'autres choses. Il est tout le temps en train de bosser avec Todd Phillips. Scott Silver, je disais, à l'écriture, ils ont déjà bossé ensemble sur certains Very Bad Trip et sur War Dogs, et ça se ressent, en fait, qu'il y a cette liaison finalement logique par rapport à ses précédents métrages. C'est-à-dire que je trouve pas que ça soit finalement un film si dramatique que ça. C'est un film sombre, c'est un film noir, mais qui garde quand même des traits de comédie assez évidents. Mais qui choisit de les amener d'une certaine manière à faire en sorte que le spectateur les voit du côté sombre. Et lui donne finalement un sens peut-être cynique ou satirique. Ce film, en fait, est sombre par son histoire, mais des mises en scène aussi. Il y a des moments où ils sont très sombres, mais il y a d'autres moments où vraiment ce qui se passe est très... très sombre, désolé pour la répétition, mais vraiment très sombre. Et par contre, on va avoir un effet visuel qui lui va être très coloré, qui va être plutôt gay et tout, à l'inverse, quoi.
comme quand bah, il se met à danser et tout. Pourtant, ce personnage, tu sens que là, il est vraiment, il est au plus mal de, au plus, oui, au plus mal de sa personne. Mais on va quand même, bah, les couleurs sont là pour que, au final, il y a quand même un peu de gaieté et tout. Ce soit pas si sombre que ça. Et reste un peu positif, quoi. Mais c'est, ouais, comme tu dis, c'est impressionnant parce qu'on a on a cette palette. Vraiment, je pense qu'il y a plein de gens qui vont s'éclater ensuite à faire des palettes de couleurs, mais il y a vraiment des, il y a vraiment, on va dire, un mood board en fait de couleurs à chaque moment précis de la vie d'Arthur Fleck. C'est-à-dire que vraiment, au début, on est sur des tons très orange, très bleu foncé, très verdâtre, très noir. On va arriver sur un milieu de film où on est plutôt sur des tons rouges, des tons vraiment verts, un peu craspec. On va taper sur le orange. Et vraiment, la fin où, comme tu dis, c'est Ah ouais, c'est faut qu'on une... fasse Oui, éclater la palette de couleurs. c'est un Et alors arc-en-ciel. là, on est bah, à l'image du rideau qui se lève dans le Murray Franklin Oui, Show, où oui, littéralement, c'est plein de oui. couleurs. Ouais. Et à Et l'image de ce puis, costume très qui. clair, très... Ouais, Alors que c'est. le personnage est très sombre, en plus. Ah Mais en marque, faut mieux que ce soit comme ça, parce bah. que Oui. sinon, je pense qu'on Ça serait finit... bizarre. Ça On serait finit... On bizarre finirait sinon. tous déprimés à la fin du Voilà, film, c'est quoi. ça. Ça serait très drôle. Mais du coup, on a vraiment un travail de photographie qui veut créer une ambiance aussi. Ça, c'est un point important. C'est vraiment un film qui veut distiller au fur et à mesure de son avancée la folie au travers du cadre. Et c'est très intéressant parce que du coup, on se retrouve avec beaucoup de plans qui sont vraiment chiadés, où on a vraiment des beaux travelling arrière, des beaux travelling avant. Moi, je pense à cette séquence d'introduction, forcément, où après s'être fait tabasser par les gamins, il y a ce travelling arrière qui est très léger, qui va le mettre en position fœtale en plein milieu de l'écran, avec le gros Joker qui va apparaître. Il y a ce moment où il pète un câble parce que, il s'apprête à se faire virer et où il va cogner dans des poubelles. Littéralement, on peut y trouver des métaphores par rapport au fait qu'il y a des ordures actuellement dans Gotham à cause Oui. d'une grève des éboueurs. Et voilà. C'est très intéressant aussi, on pourrait y mettre un parallèle sur pas mal de choses parce que le fait qu'il y ait des éboueurs qui fassent grève et que littéralement Arthur Fleck soit pris pour une ordure, qu'on le foute dehors, qu'on le tabasse, qu'on le mette au sol. Voilà. Bon, ça, chacun s'amusera à y aller de sa petite comparaison et de sa petite réflexion. Mais en tout cas, cette séquence-là, quand il tabasse les poubelles et où il y a ce travelling arrière, pareil, c'est vraiment beau. Il y a plein de répétition comme ça où c'est vraiment des très beaux plans, cette fameuse séquence de danse dans les escaliers qui est Oui. vraiment très très bien Bah filmée, oui. et en opposition cette séquence de danse dans les toilettes qui est vraiment travaillée au cadre caméra à l'épaule. Enfin, c'est très intéressant, comme tu vois, je disais en écriture qu'il y avait beaucoup de scènes qui se faisaient écho entre le premier et le dernier acte. On peut y voir la même chose en termes de mise en scène. Il y a tout un travail sur. Il y a un plan, je sais pas si tu te rappelles, où Arthur il marche de dos pour aller dans la pharmacie chercher ses médocs. On peut y faire le parallèle avec le plan où il est dos juste avant d'entrer sur le Murray Franklin Show, où il est de dos et où il va commencer à se mettre à danser et à faire un portant Oui, désarticulé c'est vrai. qui serait sous médoc. Et on peut s'amuser à faire plein de parallèles comme ça en termes de mise en scène. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée à quel point je pense que Todd Phillips, c'est un mec qu'on a souvent catégorisé en mode il fait des comédies à concept. Genre Very Bad Trip, Date Limite ou des trucs comme ça. Et finalement, non, c'est un mec qui a toujours été capable de concevoir des plans qui sont vraiment intelligents. Genre, je reprends, je m'obstine, mais dans les Very Bad Trip, tu prends les séquences où il se réveille, l'aspect comique est amené par, on va dire, le côté complètement outrancier de ce qui se passe Oui. chez eux. Mais finalement, par exemple, tu regardes Very Bad Trip 2 lorsqu'il se réveille à Bangkok. C'est pas joyeux, hein, franchement. Il y en a un qui est rasé, il y en a un autre qui est complètement assommé, qui a un œil au beurre noir, il y en a un dernier qui a un tatouage sur le côté, il y a un petit singe, il y en a un autre qui est mort parce qu'il a fumé, parce qu'il a sniffé trop de coke. C'est glauque. Et en soi, c'est ça qu'on retrouve un petit peu dans le Joker, mais poussé à son paroxysme, dans le genre, c'est là, faut que ça soit noir, quoi. Et puis là, pour moi, une des scènes de clin d'œil. Par rapport au Joker de Heath Ledger, c'est que si on prend dans la trilogie Nolan, donc avec Heath Ledger, dans un moment du film, le Joker, il me semble que c'est là où il s'évade de la prison. C'est quand il s'évade de la prison, ouais, Voilà, il a la où tête. il a la tête hors d'une voiture de police. Et là, et en fait, dans ce nouveau, genre dans ce Joker-là, on retrouve un peu cette mise en scène-là, mais sauf que bon, comment dire, Moins chaotique. moins chaotique. Plus léché. Voilà. Et c'est juste qu'on a encore le Joker qui est dans une voiture de police à l'arrière, arrêté, là cette fois-ci, mais qui regarde par cette fameuse fenêtre de voiture.
Ouais. Et qui regarde la folie qui vient de se mettre en place. Et on a un peu l'impression qu'il a fait un clin d'œil à l'ancien Joker. Mais je pense qu'il y a plein de clins d'œil. Hein. Je pense qu'on pourrait s'amuser. Il y a des gens qui ont déjà trouvé un clin d'œil en mode il y a un Batman dans la scène d'introduction. Moi, je suis pas convaincu de ce Batman, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est clair et net qu'il y a énormément de clins d'œil et de respect par rapport aux précédents interprètes. Comme je te disais, je trouve que sa manière de danser fait énormément penser à Jack Nicholson dans ceux de Burton. Parce que vraiment... C'était. Bon, déjà, il dansait sur du Prince, oui. À chaque fois, sûrement. Parce que la BO était faite par Prince. Et parce que la BO était en partie faite par Prince, tout à fait. Mais du coup, là, on sent que, en plus, le travail de la bande originale ici est très intéressant. Comme on disait, il y a des sonorités qui sont très particulières. C'est beaucoup de cordes, c'est très cassé, c'est très distordu. On retrouve un peu, même au niveau du la bande son, un peu comme dans les Batman de Nolan, quoi. Alors moi, je trouve ça très vague. On est sur la même pas style de musique, mais on est... Moi, je suis sceptique là-dessus. Je trouve que c'est vraiment à part parce que il dure Godnitsaor. Elle a vraiment cherché à explorer de nouvelles possibilités. Enfin, pour te donner une idée, c'était celle qui avait fait la bande originale de Premier Contact. Je sais pas si tu l'avais vu, mais Premier Contact avait pareil des cordes très pincées, une musique très très anxiogène qui donnait la sensation d'être vraiment éparpillée tout autour de toi. Et on a un peu cette impression là ici. Et je trouve qu'on est sur un travail qui est vraiment très différent pour le coup de ce qu'avaient fait Hans Zimmer et James Newton Howard sur les Batman de Nolan, qui pour le coup était vraiment c'était vraiment des grosses caisses. Il y avait un thème principal, mais derrière c'était vraiment beaucoup de travail sur les percussions. Oui, après ce que je veux dire, c'est que la musique monte crescendo. Je suis d'accord. C'est comme dans les Batman où au fur et à mesure on va avoir cette musique qui va monter. Là on est pareil dans tout le à fait. Bon là d'accord, ouais, là je te soutiens là-dessus. Ok, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Eh ben, passons sur ta partie préférée, mon cher Justin. Qu'est-ce que tu as pensé de Joaquin Phoenix? Bah moi, très franchement, j'ai vu pas toutes les interprétations du Joker, mais j'en ai vu quelques-unes quand même. Donc j'avais vu celle de Jack Nicholson, que je trouvais déjà bien. Celle d'Ice Ledger, que j'ai trouvé super. Là, pour moi, on est vraiment, après, sur autre chose aussi, parce que là, faut savoir que là, c'est quand même un premier rôle. Les autres, c'était des seconds rôles, donc bon. Pouvez comparer, ça va être difficile, mais comment Joaquin Phoenix interprète vraiment la folie, la maladie et tout, c'est vraiment genre très fort, quoi. Il est métamorphosé, on le reconnaît, on le reconnaît quasiment pas quand il est, il y a des scènes où il est juste en slip, quoi. Et c'est impressionnant de voir comment l'acteur s'est transformé pour ce Joker, quoi. Et je trouve qu'il interprète vraiment très bien le Joker. La folie est vraiment bien faite, pour ma part. On n'a pas trop cité les références qu'il y avait dans le film, parce que pour moi, elles ont déjà été citées par tout le monde, donc Taxi Driver ou La Valse des Pantins. Moi, j'ai envie de citer une référence quand même qui, je pense, a dû être un point de repère, et ça ne serait pas étonnant pour Joaquin Phoenix, pour son interprétation du Joker. Et c'est un ancien Batman qui l'avait fait. C'est The Mechanic, avec Christian Bale. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un lien profond entre son interprétation et celle qu'avait Christian Bale dans The Mechanic, parce que au-delà du physique, il y a ce côté très fantomatique dans son interprétation. Ce fait que parfois, quand il soit dos, on a l'impression que ça soit une créature, comme quand il est dans des vestiaires. Tout à fait, exactement. Et quand il danse aussi, c'est très pantin, désarticulé, comme s'il y avait des ficelles au-dessus. Exactement. Et du coup, je pense profondément que ça ne serait pas étonnant que dans le petit tiroir de Todd Phillips, à côté de Taxi Driver et de La Valse des Pantins, il y ait The Mechanic qui soit placé. Ça ne serait vraiment pas étonnant, et au-delà de ça, je pense que Joaquin Phoenix, il devait clairement avoir ça en tête lorsqu'il a interprété le rôle, parce que ça se ressent. Et au-delà de ça, bien évidemment, Robert De Niro, qui est excellent dans le film, est un écho direct à La Valse des Pantins. Là-dessus, c'est pas caché, et ça crève les yeux que Robert De Niro, il a été casté et il a accepté le rôle pour ça, malgré visiblement les problèmes de tournage qu'il y a eu avec Joaquin Phoenix. Mais la scène de talk show à la fin est extraordinaire, parce que les deux se donnent à fond et parce qu'il y a vraiment un travail autour de... C'est extraordinaire. On pourra citer Frances Conroy, qui joue donc la mère d'Arthur Fleck, Penny Fleck. Ouais. On citera aussi Brett Cullen, Zazie Beetz, qui ont des rôles beaucoup plus secondaires, mais voilà. Zazie Beetz, qui est pas si mal que ça, mais comme j'avais évoqué, elle fait partie de ce deuxième acte qui est un peu bâtard, qui n'est pas vraiment hyper utile, et qui est ce Lover Interest qui finalement ne marche pas grand chose. Il apporte pas grand chose au... C'est ça, il a pas un vrai impact. Après, elle n'est pas si mal que ça. Juste lui donner au Joker un côté un peu
au niveau du relationnel, quoi. Affectif, ouais, faire en sorte sentimental, c'est ça, faire en sorte qu'il faire qu'on nous montre avec de l'émotion. C'est que un personnage fou. Parce que la joue American Psycho, quoi, vraiment essayer de. Il peut y avoir de l'amour dans ce personnage qui est fou, quoi. C'est ça, voilà. C'est ce qu'on découvre. Que... Ouais, voilà. Après, voilà, il y a d'autres choses qui font que ça, on se rend encore plus compte que ça fonctionne pas et que c'est pas très utile, mais voilà, il y a tout de même cette idée qui est plutôt intéressante. Et ben, on est arrivé à la fin, mon cher Justin. Oui. Qu'est-ce qu'on retient de Joker ? Que c'est un très bon film. Qu'il est réel... Que pour ma part, la réalisation, moi, je trouve pas beaucoup de défauts. Après, Joaquin Phoenix, oui, c'est grandiose. Tu valides à 200%. Ouais, non, mais ouais, franchement, je suis impressionné par le talent qu'il a, quoi. Genre là, c'est bluffant. Et puis voilà, après, de là à dire, comme on disait tout à l'heure, que c'est un chef-d'œuvre. C'est vrai que c'est un très beau film, mais vrai, chef-d'œuvre, ça fait peut-être grand mot. C'est pas un film qu'on regarderait tous les jours, qu'on étudierait, comme tu disais, je sais pas. Ouais, je pense profondément en fait qu'il y a eu peut-être un emballement un peu trop fort autour de la découverte du Joker. Profondément, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Potentiellement, ça peut devenir culte. Je pense que les gens vont le porter au pinacle et que ça a le même potentiel que pouvait avoir un Orange Mécanique à l'époque. C'est pas aussi anarchiste qu'un Orange Mécanique, mais il y a un petit peu cette même idée dans le sens où il faut renverser la société et un petit peu faire bouger les choses. Donc je pense que peut-être ça ira dans cette direction. Pour autant, c'est bien écrit, mais c'est pas non plus un truc de fou en termes d'écriture. C'est par contre hyper bien mis en scène. Oui, c'est vraiment époustouflant. C'est éblouissant. Laurence Thier et Todd Phillips ont fait un truc de fou. Et comme tu disais, Joaquin Phoenix a vraiment une interprétation de dingue qui transporte le film et va vraiment très très loin. Intéressant. Après, l'interprétation de Joaquin Phoenix aussi peut être intéressante. Genre du fait qu'il interprète quelqu'un de malade, comme on a vu auparavant dans d'autres films, comme je pense là d'un coup Rain Man. Oui. Tu vois, c'est des interprétations comme ça aussi qui restent marquantes quand même parce que c'est de personnes malades et qui sont, pour ma part, au plus juste de ce qui se passe. Oui, c'est vrai que là-dessus, on est sur une interprétation de la démence et de la folie sous forme de maladie qui est vraiment amenée de manière très subtile. C'est pas avec des gros camions qui vont enfoncer des portes ouvertes, c'est loin d'être ça. Et c'est ça, je pense, qui fait que Joker de Todd Phillips fonctionne vraiment bien. Donc vous l'aurez compris, je pense qu'on vous le conseille très largement. Tout le monde l'a déjà dit qu'il fallait absolument le voir. Moi, je vois ce soir, et toi, tu l'as vu aussi, les salles étaient toutes complètes. C'est pas étonnant. Je pense que tout le monde l'aura vu d'ici le moment où cette vidéo sera sortie, mais voilà. Après, le voir une fois, oui. Le voir deux fois, c'est trois ça. Fois. Je pense que c'est potentiellement un film qui, comme tu le dis, est pas revisionnage, quoi. Je veux dire, tu vas pas le re-regarder et tu vas te dire, il y a une réinterprétation. C'est ça. Tu vas le regarder une fois, puis tu vas dire, ouf, on va prendre Tu vas réfléchir sur certains aspects, mais tu vas pas non plus te dire, oh la vache, mais si tu le vois sous cet angle-là, ça redimensionne tout le film. Non, non, ça reste un film qui a un bon premier visionnage, il faut rester là-dessus. Oui, puis il est quand même assez dur aussi. Oui, et il est dur psychologiquement aussi. Voilà. Merci mon cher Justin d'avoir participé à cette vidéo. On te retrouvera sous peu pour parler d'un film avec un Batman. Oui, c'est vrai. C'est le seul indice qu'on donnera. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. À plus. N'aie pas peur, tu peux dire au revoir. Au revoir. À moins que tu aies envie que je rigole, que j'essaye de faire une tentative. Non, tu ne sais pas. Oui, j'ai mon chat qui est traumatisé par mon interprétation. Enfin, voilà.